Et salut à tous, c'est WadexCV, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement dans cette vidéo je vais déballer mon iPhone 13 plus mes AirPods Pro plus ma coque Rhino Shield. Allez, c'est parti, let's go! Enfin, après une semaine, j'ai reçu mon iPhone 13. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et c'est parti pour le déballage de l'iPhone 13. Donc on va voir, ça va donner quoi. Donc ici, nous avons les écouteurs. Voilà, les écouteurs. Et là, nous avons l'iPhone 13. Là, on va l'ouvrir. Ouais, il est stylé. Donc là, nous avons le câble. Ici, je crois, il y a l'autocollant, les notices, etc. Donc, on va mettre ça à côté. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Il est stylé. Voilà, ça donne quoi? Donc, voilà, il est là. Avec les deux capteurs vidéo. Donc, là, c'est parti, on va ouvrir la boîte des AirPods Pro. Voilà, il est juste là. Allez, c'est parti pour l'ouvrir. Là, c'est comme ça. Donc voilà le boîtier des AirPods Pro. On va l'ouvrir. Wow. Ah, ils sont stylés. C'est la première fois que j'achète des AirPods. En plus, ils sont petits. C'est discret. Ah, j'adore. Ils sont trop stylés. Donc là, le boîtier. Et ici, les AirPods Pro. On va les remettre dans le boîtier. Là, je vais voir, il y a quoi ici. Donc ici, nous avons les embouts pour l'AirPods. On va ouvrir. Ok, donc ici, nous avons les grandes tailles et pour des petites tailles. Et ici, nous avons le câble. Là, on va passer à la dernière chose de cette vidéo, la coque Rhino Shield. Donc moi, je l'ai pris en noir, la classique. Et on va tout de suite l'ouvrir. Donc c'est parti. Voilà, elle est comme ça. Donc je vais la mettre dans mon iPhone et je vais vous la faire voir. Moi, je trouve que c'est stylé. Hier, j'ai demandé à une personne qui travaille chez Boulanger pour qu'il me mette un verre trempé. Parce que si c'est moi que je le fais, je pense que ça va pas être droit. De base, moi, je suis Team Samsung, je peux vous le montrer. C'est un Samsung Galaxy A10. Avant, j'avais le Samsung J3 2017. Et pourquoi j'ai décidé de changer de marque? C'est parce qu'avec la marque Samsung, je suis resté 3 ans, que j'en avais un peu marre de rester sur la même marque. Et donc j'ai décidé de changer de marque. Et pourquoi j'ai pris l'iPhone 13? Moi j'aimais bien, c'était la nouveauté, avec le dernier processeur A15. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. En tout cas, pour cette fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et c'était WadexCV, allez, ciao! We got London on the track.